maman, c'est vous deux que je cherchais. Je voulais vous montrer ça. Ah oui, super. Tu l'as fait en cours d'architecture? Oui, c'est dans le cadre d'une implantation humanitaire qu'il est prévu de réaliser ici à Angel Grove. Un projet humanitaire? Oui, il s'agissait de construire un foyer à bas prix grâce aux bénévoles et aux donateurs. Et c'est ma maquette qui a été choisie entre toutes. Bravo, félicitations, Kat. Le plus gros est fait, mais je voudrais que vous m'aidiez ce week-end. Surtout pour les peintures, le jardin et le mur de clôture. Tu sais que tu peux compter sur nous. J'en étais sûre. Oh, dire que Catherine avait le mal dans la peau et que la voix là qui commence à jouer les sœurs Teresa, ça me rend malade. Oh. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois? Elle est en train de construire avec son équipe de Samaritains un foyer pour les sans-abri. Demande-lui de prévoir une place pour un retour. Comme ça, on en sera débarrassé. Vraiment très drôle. Sachez qu'il m'est plus utile dans ma lutte contre les Power Rangers que vous deux ne l'avez jamais été. Et comment? Tu délires. Dire, je le prouverai. Rito et moi, nous allons habilement tirer parti de ce foyer pour anéantir Angel Grove de fond en comble. Adam, Rocky et Tommy se chargeront du jardin et des massifs. Ça m'impressionne. Catherine a vraiment pensé à tout. Ensuite, il faut une équipe pour remettre en état le mur de clôture sur l'arrière de la propriété. Qu'est-ce que tu en dis? Avec Aïcha, je pourrais me charger de ce travail, Cathy. Parfait. Et je n'ai personne pour les peintures, mais on finira par trouver. Sûrement. Tout le monde est prêt? Prêt! Allons-y! C'est parti, oui! À toi de jouer, Rito. Tu as pour mission d'écraser les Rangers. Ce sac d'os, ce brinque-ballon ne serait même pas capable d'écraser une mouche. On fait rien que m'humilier. Quoi, c'est vrai? Je suis certaine du succès. Quand tu conçois un plan, c'est toujours un échec. Non, mais regarde-les s'agiter comme des malades, on dirait une fourmilière. Oh oui, mais alors en plus gros. Ah bah oui, forcément, c'est des humains. Silence! Vous ne voyez pas que j'espionne l'ennemi? Je ne peux pas me concentrer quand je vous entends déblatérer dans mon dos, bande de nuls. On est dans les temps, mais on a encore une longue journée de travail. On agit suivant les croquis. C'est par ici! Oh! Non! Ah, non, non. Il a pris le vrai. Je suis assez contente de nous. On n'a pas chômé aujourd'hui. Dis donc, on va manger un morceau au restaurant. Est-ce que tu viens avec nous? Oh, je vais prendre des photos pour mon album, mais je vous rejoins après. T'as pas peur toute seule? Non, j'ai bu le Quescal en cas de pépin. Oui, c'est réconfortant. Allez, en route, tout le monde chez Ernie. À tout à l'heure. Attendez, à plus tard. Je sens déjà l'odeur enivrante de la victoire. Tiens, c'est bizarre. Ah non, c'est la mienne. Brise de Rito. Vous, les hommes, vous n'entendez pas les oiseaux chanter? Cui, cui, cui. Ce jardin paysager a besoin d'être redessiné, on est là pour ça. On peut commencer en arrachant les fleurs inutiles. Oh non, je vous interdis de faire ça. C'est nous, l'équipe de nettoyage. On est payés pour enlever les ordures. Par la force du ninja. Hé, Tengu, retournez d'où vous venez. Je veux des ruines à la place du jardin. Adieu les fleurs. Du renfort s'impose. Qu'est-ce que vous attendez? Emparez-vous d'elle. Zordon, Rito et les Tengu sont passés à l'attaque. J'ai besoin d'aide.
C'est pas vrai. Ici Tommy, entre soi, Jordan. Tommy, que tous les rangers se téléportent aux séances tenantes au foyer des sans-abri. Catherine est attaquée. On y va. Prêt à la téléportation par la force du ninja. Catherine, tu n'es pas blessée? Non, mais ça fait plaisir de vous voir. Oh, mais voilà les rangers au grand complet qui viennent participer aux réjouissances. Tant mieux. Plus on est de fous, plus on rit. Tango, faites les prisonniers. Ce débile qui te sert de frère a encore raté son coup. Oh, on m'y reprendra à croire en tes plans grandioses. Ah, je vais récupérer Catherine. Mon laser va la rendre encore plus diabolique qu'avant. On m'a donné des jambes, et en plus elle marche. Tu as raté ta cible. Tu crois que ce bout de mur peut gagner la bataille? Je suis nouveau ici, mais vous allez bientôt apprendre à me connaître. Hé, on est attaqué par un mur. Tu as tout compris, ma jolie. Je m'appelle Brick Bully, et je vais m'occuper de ton cas. Passons aux choses sérieuses. Si on m'a envoyé ici, c'est pour vous démolir. Alors voyons quel arsenal j'ai à ma disposition. Et c'est pas si mal pour un début. Ce Brick Bully commence à devenir désagréable. T'as raison, Kat. Transmutation demandée. En position. Par la force du Ranger blanc. Du Ranger noir. Du Ranger rose. Du Ranger bleu. Du Ranger jaune. Du Ranger rouge. Allons-y. Tu tiens le coup? Oui, ça va. Vous vous posez tous les deux. Aisha, Adam, position de combat. Vite, ramenons-les à l'unité centrale. T'as raison. Ne vous donnez pas la peine de ramasser vos petits copains, parce que je tiens à ajouter une brique rose et une bleue à ma collection. Désolé de te décevoir. Je me chargerai de ces deux-là plus tard. Ces efforts m'ont épuisé et mon estomac réclame sa pitance. Le monstre de Rita a transformé 4 rangers en briques. Encore heureux que vous ayez pu vous échapper. Alpha, procède au diagnostic immédiatement et trouve une solution pour les délivrer. Je vais essayer. C'est épouvantable et tout ça, c'est ma faute. Catherine, ça n'arrange à rien de se perdre en lamentation. D'autant plus que Brick Bully risque de mettre à sac Angel Grove d'un moment à l'autre. Alors réserve ton énergie pour défendre efficacement la ville. Tu as raison, Zordon, je m'excuse. Qu'as-tu découvert, Alpha? Aïe, il semblerait que Brick Bully ait miniaturisé les rangers et les ait emprisonnés à l'intérieur d'une vraie brique. Notre seul espoir de leur restituer leur forme originelle est de trouver un moyen de pénétrer à l'intérieur des briques sans endommager leur contenu. L'érosion serait une solution. Étudions les processus de destruction naturelle des composants des immeubles qui finissent à la longue par se désagréger. On a abordé le sujet à mon cours d'architecture. Parmi les facteurs d'érosion, on a le vent, le soleil, la pollution... La pollution. Les briques sont très sensibles à la pollution. Ah oui, c'est vrai. Bien pensé, Ranger. Alpha et Billy, vous pourriez concevoir une sorte de simulateur de pollution capable d'éroder les briques? Oui, sans doute. Je file à mon labo pour voir ce que je peux faire. Que se passe-t-il, Zordon? Comme je le craignais, Rita accroît l'énergie du monstre en se nourrissant de matériaux de construction. Il devient de plus en plus puissant. Regardez le Vista Globe. Plus il s'alimente, plus il grandit et accumule des réserves énergétiques.
Il faut absolument l'arrêter. Bon, écoute, j'y vais. Tu restes avec Alpha pour l'aider à délivrer les autres. D'accord. Bonne chance. Merci. Sois prudent, Billy. Je le serai, Zordon. Paré pour action ! Ah ! Moi, j'aime les murs quand ils s'écroulent. Et moi, les Rangers enfermés dans les briques. Alors montre-moi ce que tu sais faire. Oh, il est costaud. Un peu trop à mon goût. Il faut que je trouve un moyen de l'empêcher de se remplir la panse avec des briques. Eureka! Hé, hey, tête de pioche! C'est à moi que tu parles, mon général? Allez, viens par ici! Suis-moi! Après tout, je peux t'accorder 2 minutes. J'ai beau réfléchir, je sais pas comment lui expliquer ça. Le plus simple, c'est de lui dire la vérité. Il ne la supportera jamais, la vérité. Eh bien, dites-la quand même. Il s'est produit un cataclysme ici. Et une partie du mur a disparu, non? La vérité. On a été attaqué par des monstres. C'est ça. Des oiseaux géants pleins de plumes noires. La vérité. Des trucs énormes. Avec des ergots. Comme des talons aiguilles. Bon, allez, ça suffit maintenant. Je n'ai pas à vous dire comment vous y prendre, mais vous rapporterez le mur manquant dans les délais les plus brefs. À vos ordres. Vous pouvez compter sur nous. Dormez tranquille. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ah ben voilà, on l'a retrouvé le mur manquant. Oh oui, mais comment dire au lieutenant qu'il était parti à toutes jambes? Et il doit démolir le Ranger bleu. Comment le remettre en place? Et comment un mur peut-il devenir un monstre? C'est un coup de ma sœur. Elle en a sous le crâne. Vous le dites. Elle est géniale. Mais sans rien pourtant. Tu préfères pas abandonner? Une petite pause ne serait pas de refus. Je faiblis. Je me demande ce qui m'arrive. Je vais te le dire. Quand tu cesses de t'alimenter, ton pouvoir diminue. Dans ce cas, je vais essayer de trouver un mur en béton armé, histoire de grignoter un peu. Tu n'iras nulle part. Je te mets à la diète. Je n'en crois pas mes yeux. Le monstre s'est fait piéger par l'abominable Ranger bleu. Si tu te crois le plus malin, attends de voir la suite. Amplificateur de volume. Je me sens déjà plus à l'aise. On peut discuter, hein, si tu veux. Ah non, moi je discute pas, j'écrase. Raté. Oui, mais ce n'était qu'un route d'observation. Passons au suivant. Par la force du Shogun Zord. À pleine puissance. Oh, tu ressembles à un gros chien bleu endormi. Et si tu retournais à la niche? Attention au dispositif, Catherine. Il faut nous hâter. Billy est dans une situation très critique. Les briques sont disposées comme il convient. Alpha, active le simulateur de pollution. Entendu. Je procède immédiatement au branchement. Si l'opération se déroule bien, la pollution va désagréger les briques et délivrer les Rangers de par le fait. Ça fonctionne. Les briques commencent à se dissoudre. Augmente le courant. D'accord. Ton plan progresse normalement, Catherine. Espérons que ça continuera ainsi. Tu es toujours là? Je ne partirai d'ici que lorsque ta défaite sera consommée. Ça te rassure? Ah!
sa main. Oh, Billy, quelle peur j'ai eue. Et moi donc, enfin voilà un mur qui ne posera plus de problème. Tu vas réussir à les libérer? Je l'espère. Croisons les doigts. Retour à la case départ. Bravo, Catherine. Malgré la pression, tu as su tenir ton cap. Merci, mais le vrai héros, c'est Billy. Il a affronté Brick Bully tout seul et avec succès. Bon travail, mon vieux. Et merci. Vous auriez fait pareil à ma place. Une fois de plus, Ranger, vous avez démontré l'efficacité du travail en équipe. On en est conscient? Ça continue! Mon plan est tombé à l'eau! Oh, rien d'étonnant, c'est toujours la même chose quand ton frère s'en mêle. C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Rito a une brique à la place du cerveau. Mensonge! Dis-leur, ma sœur, que je suis un bon garçon. Dis-leur aussi qu'on a démoli le foyer. Oui, mais ils vont le reconstruire plus tard. Vous êtes des incapables, des bons à rien, tous autant que vous êtes. Et toi, t'es le pire. Il faut que je fasse tout moi-même ici. Je ne peux compter sur personne. Et je suis dans la vie, je me demande bien pourquoi. Formidable ce que tu as fait, Catherine. C'est très réussi. Oui, et la décoration est remarquable. Tu mérites vraiment la pelle d'or que le maire va te remettre aujourd'hui. Nous la méritons tous. Sans vous, je ne serais arrivée à rien. C'est tous ensemble que nous avons pu offrir un logement aux sans-abri. Bon, je n'arrive pas trop tard. Je croyais que la cérémonie était commencée. Eh bien non, on attend toujours le maire. C'est bizarre. Le maire projetait de venir tôt pour inaugurer les bâtiments. Je me demande ce qui se passe. Ah, faut pas nous la faire, hein. On la connaît la musique. On a repéré notre manège. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Kulkmeyer et Skulovitch, au rapport, lieutenant. On a surpris cette vagabonde de luxe qui regardait d'un peu trop près les nouveaux bâtiments. Eh ouais, sûrement une voleuse. Mais on n'est pas tombé de la dernière clique. Et on a pu l'arrêter à temps. Ouais, et vous avez rigolé. Elle a dit en plus qu'elle était mère. Elle l'a dit parce que c'est effectivement le cas. Bande de tarés. Oh, nous sommes confus. Respect, on regrette, madame. On s'excuse, mais tout le monde peut se tromper. En punition, vous laverez la voiture du maire au cours des 5 ans à venir. Vous avez compris? Et pendant la même période, vous laverez aussi la mienne. De même que toutes celles des habitants de notre bonne ville. Allez, bande de tarés. Oh, Catherine, je vous félicite de votre œuvre pour notre communauté. Vous êtes en droit d'en être très fière, vous et vos amis.